Les amis, avant de commencer cette vidéo, je vous demande un seul truc. Déjà, pourquoi je vous demande un truc? Déjà, je vous demande si vous allez bien. Ok, ça va bien? Moi, je vais très bien. Donc, les amis, je vous demande un petit truc. Juste abonnez-vous, partagez avec les amis et likez, les amis. Likez, les amis, c'est très important. Je vais vous voir en commentaire et me dire est-ce que vous aimez ce genre de format? Si oui, je vous en fais d'autres. Sinon, bah, je vous en fais quand même d'autres. Et un dernier truc, n'oubliez pas, non. Et oui, ne vous inquiétez pas, les amis. Et oui, ne vous inquiétez pas les amis, vous allez apprendre à vous muscler comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez ces gros bras les gars qui font 220 cm carrés. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Sisma. Là il est 5h30 du matin, je viens de me réveiller. Et ben, on va à la salle de sport, on se prépare, donc je vous emmène avec moi. Allez. Hey, donc je vais commencer par presser 4 oranges. Je vais les poser là. J'ai pas de machine, hein, donc moi c'est manuel. Il est magnifique les amis, mais vraiment vraiment magnifique. J'ai équipé avec l'énergie. Boum, et on va y aller. Et les amis, le plus dur, c'est pas d'aller en scooter, c'est démarrer le putain de scooter parce que je l'utilise jamais. Mais quand je dis jamais, c'est une fois par mois que j'utilise mon scooter. Et du coup, bah, faut réussir à le démarrer ce matin parce que je le démarre, ça fait genre 2-3 semaines que je l'ai pas démarré. Bon courage alors. Donc les amis, là on se dirige vers le scooter qui est juste là, c'est mon petit bébé. Je fais tout avec, je fais vraiment tout avec. On va essayer de mettre la clé. Là, ça s'allume, tout est ok. Et là, il faut le démarrer. Attendez, hein. Bon courage. Hein. Désolé si ça bouge beaucoup. Je sais pas. Wow. Ça a démarré, les gens. Ça a démarré. Dites-vous que j'ai tenu le téléphone comme ça. Avec mon coude, comme ça, sans les mains. Comme ça. C'est vraiment dur. Hein. Bah, c'est cool alors, ça a démarré. On enlève le que ça et on y va. Bye, Bubble Boy. Bye, Bubble Boy. Bah en fait je vais regarder sur GPS, donc je vais m'arrêter 2 secondes pour voir où c'est. Là normalement les amis j'ai trouvé. Oh les gars là je suis énervé là, ça commence bien. En fait je me suis trompé de rond-point. Oh le célibou, je me suis trompé de rond-point. Et là refaire le tour et aller ailleurs. Mais laisse tomber, je suis fatigué là, j'ai plus envie d'aller au sport finalement. En gros les amis, je me suis trompé de route et là faut que je fasse un détour de malade. Mais moi je fais pas de détour moi. Ah putain, je vais tomber. Aïe 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 aïe. C'est compliqué là. C'est un chemin très très compliqué, les gars. Seuls les vrais pilotes y arrivent. Sushi McDonald's, je vous présente un peu ma ville, les amis. Ah, Basic Fit. Waouh, le nombre de voitures qu'il y a devant. Bah, j'espère qu'ils sont pas venus s'entraîner. Hein. Bah, j'espère vraiment pas qu'ils sont pas venus s'entraîner. Wesh, il y a 1 milliard de voitures. Ah non. Ah, je suis tout seul. Ben non, c'est une voiture de service après-vente de Citroën. Vas-y les gars, on va rentrer en scooter à la salle de sport, bien évidemment. Allez, vite, tapis de course les amis, ça fait 1000 ans que je ne l'ai pas utilisé. Donc on va mettre puissance maximum, c'est où? C'est le bouton rouge je pense. Je sais pas comment ça marche ce truc là. Je pense départ.
2, 1, 0. Ça commence les amis, ça commence doucement, mais c'est très lent, donc on va augmenter un peu la vitesse, c'est par là, histoire de mettre la vitesse maximum, les gars, maximum, parce que je suis un mec très fort. Ça, je pense que vous le savez tous. Donc là, je suis à 40 km/h. Non, je rigole, c'est 4. On va augmenter jusqu'à 70 km/h de vitesse, je pense. Je pense là, c'est déjà 50, c'est déjà bien. 5. Et on y va. Oh là là, ça fait du bien. Et grâce à cet exercice, j'aurais des pecs de malade, les amis. Ça me fait bizarre d'être à la salle comme ça, de parler, mais je parle assez doucement. Franchement, c'est très sympa parce que la salle, elle est vraiment, vraiment vive. Et là, on est en train de se muscler, les amis. Go, regardez. Le résultat, les poteaux, le résultat. C'est ça qui compte. Bon, les gars, là, on va aller à la machine d'abdos. La tueuse d'abdos, c'est celle-là. C'est celle-là. Et avec ça, on va vraiment, vraiment se tuer, les abdos, les amis. On rentre à la maison, comme ça. On se douche à la casa, on met le petit sac à dos. Ah non, faut que je mette ma serviette dedans. Ça c'est la serviette à Lia, elle va me tuer si elle voit la vidéo. Elle me dit, ouais chérie, ne prends pas ma serviette, tout ça. Prends ta serviette à toi, t'en as une. Mais vu que celle-là elle est bien, elle est grande, bah, je l'ai pris avec moi quand même, je m'en fous. Mais bah, écoute chérie, t'es pas là, t'es pas à la maison. Bah écoute, je profite, je fais ce que je veux. Et je prends ce que je veux. Merci. Eh les gars, il est 7h du matin là et j'ai fini la salle de sport. Franchement, je suis très content, vraiment très content de reprendre la salle. Ça me fait vraiment du bien, même de me réveiller le matin, tout ça. Donc là, dites-vous que j'ai le temps d'aller chez moi, me doucher, prendre un petit déjeuner et même faire une sieste. Et je prends un bus pour aller au travail. Je prends le bus à 8h30, j'arrive à 9h19. Comme ça, je peux même marcher un peu et arriver au travail à l'heure. Et à toutes. En vrai, de vrai, la salle... En vrai, de vrai, les amis, la salle, ça fait un bien fou. Et là, je suis très content. Ça va changer ce gros ventre-là. Il n'y aura plus, c'est fini à partir d'aujourd'hui. Donc là, on va essayer d'aller soit un jour sur deux, soit tous les jours. On va essayer quand même d'y aller assez souvent pour être bien, en vrai, pour être bien, pour être... Moi, je le fais pas pour les tennis et pour quoi que ce soit, mais je le fais pour moi déjà de un. Et de deux, je le fais parce que c'est bon. J'en ai marre d'être bon, en vrai. C'est gros, des fois c'est drôle, tout ça, tu manges ce que tu veux, tu t'amuses, tout ça, ok. Je suis bien dans mon corps, je me plains pas en fait. Je dis pas, ouais, je suis gros, tout ça, je vais pleurer. Je m'en fous en vrai, mais là, à un moment donné, il y a une limite, tu vois. Il y a la santé, tu vois, que quand ça touche un peu à la santé, là, faut faire vraiment attention. Et moi, je travaille debout, donc vu que je travaille debout, bah, avec le poids, ça fait mal aux pieds. Donc plus tard, bah, j'aurai plus de facilité à... Bah, c'est plus facile pour moi, quoi. Allez, je fais des bisous, les amis. Là j'arrive à 7h05 chez moi. Donc le temps que je me douche, il sera 7h15. Et après je peux dormir, faire une mini sieste jusqu'à 8h. Donc ça va, je suis tranquille en vrai. Oh là là, tout ça, faut virer tout ça. Bon les amis, là je suis arrivé chez moi, je me suis douché tout ça. J'ai encore une demi-heure, il est que 7h30. Donc je vais dormir encore 30 minutes. Et après je vais me faire mon petit déjeuner. Et après je pars au travail. Donc allez, je vous laisse. Mon réveil a sonné, il est 8h les amis. Mais on va ajouter encore 10 minutes, pas plus, hein, 10 minutes.